Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir pour nous toutes et comment nous y est, et espérer que nous toutes nous femmes. Et nous, croyons, c'est toujours un nous faut nous merci Dieu, moi content pour nous capables ensemble avec nous. Côté nous pour partager avec quelques parmi informations, quelques parmi nouvelles et cap dominer actualité. Mais entre temps, permettez-moi saluer et remercier toutes les amis qui permettent de travailler là possible. Ou même qui toujours accompagne nous, qui toujours partager, qui te commente pour nous. Et bien, c'est grâce à vous-même qui fait jusqu'à présent nous dans l'air et nous avons grandi. C'est grâce à vous-même, je dis à nous, capables de gagner plus de 300 000 personnes et qui fait partie de grande famille ça. Merci pour ce support, nous, de tout cœur, nous remercions nous et pour ce support que nous toujours baillons à travail que nous faisons. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotelevision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000. Jeudi 4 mai 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le troisième sortie journal Gazette Créole pour ce matin. Mais qu'est-ce que nous allons développer dans le journal ça. Bandit dans gang gang griffe dans sa vie attaqué hier mercredi, habitant dans la zone Chandelle qui t'a fait résistance pour bandit ça ou pas rentrer dans la localité ça qui est dans la commune Verrette. Il y a plusieurs monde qui mourit avec divers autres blessés d'après le coordonnateur général, comité initiative pour la paix dans Balatibolite, André Saint-Louis. Renault Israël chauffeur un petit bus qui t'a porté marchandises sorti et Belade pour entrer dans la capitale la mouri hier matin avec balle dans la zone Chambouin qui coulait avec village des Antilles dans le coin des bouquets. Une dame qui était seul passager dans le petit bus s'est blessée pendant la machine n'a été chavirée après chauffeur t'a pris une balle dans la tête. Célébration hier mercredi 3 mai, journée internationale Liberté la presse, plusieurs activités programmées pour occasion dans le pays d'Haïti, bien sûr documentation avec observation médias et métier la presse qui organisait un forum qui était déroulé en baptême, coexistence entre policiers et journalistes dans l'exercice attribution professionnelle. Sous contrôle de l'IPO et ministre Ariel Henry dit salue courage, engagement, sens devoir et responsabilité journalistique qui est consacré dans bail information. Haïti descend dans 29e place. Haïti est perdu 29 places dans le classement mondial 2023 Reporters sans frontières sur Liberté la presse. Sous 70e pour tomber dans 99e place sur 180 pays. Dans le classement, ça, il y a Norvège, Irlande et Danemark. République dominicaine 43e place et puis États-Unis dans 45e place. Là. Ambassade d'Haïti dans Washington, Bouchité de Mont, qui n'a pas ça depuis décembre 2020, perdu Jobli à cause d'être impliqué dans un scandale corruption qui est lié dans le bail passeport qui dépassait prix qui établit. C'est ambassade d'Abiéni Bettina Edmond qui se consulte dans New York, lui impliqué dans le dossier ça, lui même tout, joint révocation. Là. 10e édition Salon Droit lancé officiellement à mercredi à l'occasion cérémonie pour remercier 14 institutions et personnalités pour participation à collaboration en activité ça qui a déroulé demain vendredi 5 mai à l'hôtel Marriott dans Tijou. Et que vous êtes pour développement conseil. Pour ce journal, ça, Harry Junior désire faire mon œuvre technique. Et puis, n'aimé quoi, c'est Léon Kerr Civil. Bonsoir, Harry. Bonsoir, tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier parti journal là. Et même Jean avec un pile fois, c'est toujours avec dossier insécurité. Nous toujours à pleuvoir premier parti. Bandi dans gang gang griffe dans sa vie. Attaqué à mercredi, habitant dans la zone Chandelle qui t'a fait résistance pour bandi ça y par rentrer dans la localité ça qui est dans la commune Verrette. Il y a plusieurs monde qui mourit avec divers autres blessés. D'après le coordonnateur général, comité initiative pour la paix dans Balatibonite, André Saint-Louis. Lundi, nous avons lancé une opération Bois-Calais et que nous avons un petit griffe
dans zone Mont-Douai, ils ont fait un pile malaise sur la population, plusieurs mouris qui sont dans Mogla. Et aujourd'hui, Grand Griffe lui-même, il a traversé aller sous chandelle. Pendant qu'il est allé sous chandelle, eh bien, dans le moment où on a parlé là, il y a plusieurs gens qui mourent et tout. Et monsieur eux-mêmes, ils ont arrivé à saisir les âmes, les gens qui ont arrivé tous les sous chandelle. Nous, ouais, côté que nous prenons M14, dans mes messieurs, et puis on prend tout, ils ont Kadashnikov, dans mes messieurs, on prend, et il y a l'autre monde qui apprend non qui mourent toujours. Ça, c'est toujours légèreté, l'État. Parce que nous toujours dit, toute date n'a pas de gang gris dans sa vie, mais l'État n'a pas jamais fait rien. C'est ça que nous toujours dit que gang là, c'est gang l'État qui est lié. Mais même le que peuple a lui-même, l'a boumé pour éradiquer gang là, et bien c'est comme ça que lui-même y a victime. Ça, nous-mêmes, étant que le président de la coalition qui est estimé pour le cap boumé en face de Dieu, on est prêt lui-même pour affronter monsieur, mais. Vraiment, bah, là, par exemple. Est-ce que moun sa yo qui mourit, hein, et c'est moun qui te fait groupe pour te bataille contre gang griffe là? Exactement. Yo habité victime, moun gang griffe, déjà moun gang griffe habité traverser le droit, yo victime yo. Mais moi-même, ça parle ensemble avec vous là, étant que coordonnateur général, comité initiative pour la paix dans la Tibonite, qui c'est qu'il bat, nous-mêmes, quelquefois, côté moun nan mourit là, non condamné. Parce que moun, la vie moun, li pas dépendre de l'homme. Nous pas besoin d'apprécier la vie moun n'importe comment. Mais l'État qui l'a, on pense que c'est lui-même qui veut protéger la vie moun. Mais bon, l'État va protéger la vie moun. Mais je ne veux dire là, mais comme nous même déjà fait cette action ça, il y a un bruit qui a couru, qui fait dit, qui fait pour que dans ce cas venu là, c'est Jean-Denis qui est eux-mêmes, il a pris entrée. Parce que Jean-Denis est un défi pour eux, il faut que créer Jean-Denis, mais ça fait nous-mêmes. Donc nous pouvons demander l'État pour faire nos efforts. Mes amis, l'État haïtien. Ariel Henry, PM, ministre intérieur, premier ministre, président, roi Ariel, pour faire un bataille pour communauté qui vient de la Tibonite. Jusqu'à présent, quand je parle avec voilà, communauté qui vient de la Tibonite, il n'y a pas de grand policier là-dedans, comme ça y a vide, quand je mets ce que je là-dedans, la fois dernière. Mais je ne veux dire à nous que nous ne pouvons pas accepter la bagarre. Je viens là parce que grand ministre, après, pour avancer sur Jean-Denis. Voilà, on a écouté déclaration André Saint-Louis qui fait partie d'une organisation en bas la Tibonite qui t'a bail plus de détails sur attaque ça nèg base gang griffe dans sa vient fait dans localité Chandelle qui dans commune Verrette. Il y a 2845 monde qui mouri parmi eux 84 policiers, 9 journalistes pendant administration premier ministre Ariel Henry d'après un rapport fondation J'éclairé sur situation sécurité qui vient plus mal depuis Ariel Henry prend tête l'État. Il y a plus passé un millier de monde qui victime kidnapping, viol et puis en pile business pour monde bandit exam pillé d'après toujours FG Kayel qui fait connaître pendant 21 mois ça Ariel Henry fait dans tête pouvoir pays a vient tomber dans plus crise gain plus groupe gang et puis autorité yo perdit contrôle violence en nèg exam yo organisation k'ap défendre droit moun yo dit le compte tout sorti avril 2022 pour arriver avril 2023 nèg exam fait 16 attaques et massacres dans divers quartiers, villes et localités. En côté précision, Marie-Hélène Gilles, qui est directrice exécutive FJ Kayel. Premier ministre Ariel Henry, il promet la population de rétablir l'ordre démocratique dans tout pays, de pacifier les quartiers chauds. Il continue pour dire qu'il y a une tâche qui est priorité pour lui-même en tant que premier ministre, c'est de faire tout ça qu'il est capable de rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Plus que 21 mois, après, nous notons que c'est un chaos total pays a tombé. Gang yo tout partout. Il y a plus d'âmes que nous avons pensé. Violence là, généralisée tout partout. Gouvernement Ariel Henry caractérisé par la violence, la violation des droits humains, banalisation du droit à la vie. Nous n'avons pas qu'à vivre tant que nous. Institution en dans l'État où nous tout tombé. On va regarder appareil justice, la même espace qui va gagner pour juger ou bien pour différents acteurs, eux-mêmes qui sont capables de faire travail, genre que et ça, lui-même, il pourrait voir. Donc,
où il y a 2845 personnes qui mourent pendant environ 21 mois que le Premier ministre lui-même lui fait sous pouvoir. L'ordre, 20 juillet 2021 à décembre 2021, 33 personnes mourent par balle. Janvier 2022 à décembre 2022, 1448 personnes mourent en bas balle. Parmi eux, de trois postes collaboratifs fondation j'ai créé, il y a Madame Josette Desenclos avec deux petites filles, Sherwood, Sandy Desenclos, avec Saradji Desenclos. L'ordre janvier 2023 à avril 2023, aujourd'hui 118 personnes ont mouru. Nous ne parlons même pas de différents massacres, massacres multipliés tout partout. Nous comptons environ 16 qui fait dans des zones d'un coup, Cité Soleil, de l'air, Solino, la plaine du fil de sac, du bois, et sont tout à Bampé, en Yéfermat, Thomasin, la Boule, Méot, Malik, Sousmatla, Canaran, Pétionville, de Lucie, Couvert, et quoi des bouquets, Trivière, la Tibonite, etc. Tout massacre ça, tout attaque ça qui fait. Nous-mêmes, nous documentons dans l'archive, mais on ne va jamais entendre les autorités en place pour prendre décision pour capable de finir avec tout le massacre, avec l'attaque qui a été faite sous la population. Sous côté, même niveau, la police nationale d'Haïti, on pille les policiers arrivés, perdent la vie autour. Environ 84 conseils qui arrivent, perdent la vie. L'autre question, journaliste. Ou abdadé, ou est un paquet de journalistes qui avaient perdu la vie. Nous ne parlons pas même pas de monde qui les film massacré dans nous, de les zones qui sont déplacées. Nous ne parlons pas même pas de déplacés internes, déplacés externes. Ça nous est les déplacés internes, c'est un monde qui t'a dit dans le cabaret qui est obligé à jouer juste un match ou bien qu'à la caille. Quand ça pour kidnapping, c'est ça qui déclarait au cul nous compter. Il y a plus de 2000 cas de kidnapping qui avaient fait dans le pays. Quand t'as pour institution publique, en pile là de courir qui te zone côté ou t'es, nous altablis de l'autre côté. Souprend EMA, souprend palais de justice, cabinet d'instruction, souprend la cour d'appel, parquet Port-au-Prince, parquet quoi des bouquets, bas au Port-au-Prince, commissariat Granville, commissariat Matisse. Donc toute institution est obligée de changer de zone pour être capable d'aller fonctionner. Et l'État, il n'a jamais dit rien. Il a dit qu'on pompier, depuis le zone chaud, n'a pas eu l'autre côté pour aller refroidir le corps. Voilà, t'as écouté déclaration Marie-Yolaine Gilles dans FGKL, organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH. Lui-même, il dit, compter pour mois avril 2023, il y a 264 monde qui mourent, 92,8% dans le département l'Ouest Payan. Parmi les victimes, il y a 11 femmes, 7 bébés, 4 policiers, 4 journalistes, 2 avocats avec une enseignante. Coordonnateur général au CNH, là, Camille Oxius, a dénoncé dégradation sans camper, situation sécurité pays, et puis encourager autorité concernée pour prendre bon disposition pour garantir la paix et la sécurité en d'un pays à Camille Oxius avec Michel Xavier. Au CNH engagé dans une bataille côté chaque mois les rend un rapport public sous cas domicile. Si dans mois mars là au CNH arrivé dénombré 195 cas domicile le ça en plus le monde te dit ah situation grave, et bien pour moi avril là situation plus grave toujours. Situation plus grave toujours, c'est parce que pour moi mars là organisation arrivée répertoriée 264 cas d'homicide. Et dans 264 cas, il y a 11 femmes, 7 nouveau-nés, 3 garçonnets, 4 fillettes, 4 policiers, 4 journalistes, 2 avocats et une enseignante. Donc la situation est vraiment grave. Et c'est le département de l'Ouest qui gagne plus de cas d'homicide, qui gagne plus que 91% de 264 cas nous sortit là. Donc nous estimons la situation lui-même est très grave et il faut gagner des dispositions qui prend pour mettre frein dans ça. Et c'est pour ça au CNH invité autorité et concernée pour prendre des dispositions pour garantir ça le droit à la vie, le droit à la sécurité et tout le droit population lui-même qui doit jouer de yo. Donc il faut gagner des dispositions qui prend le plus vite possible pour mettre frein dans sa capacité. Mais on l'autre bord, au CNH invité la communauté internationale, lui invité les États de la région pour que yo prenne des mesures urgentes et concrètes pour mettre en œuvre sans relais principe de solidarité et de coopération internationale, yon façon pour contribuer dans sa capacité de création d'un climat de paix et de sécurité. Et si effectivement disposition ça reprend, donc ça capable ouvrir voie
pour ça n'a parlé de l'IA qui c'est organisation des élections et ça a ouvert voie tout pour mettre fin dans la crise sociopolitique qui a traversé qui provoquait ça ne relait une instabilité politique depuis longtemps. Donc nous croyons une situation grave et nous pas capables chita seulement parler. Donc il faut qu'il y ait un moment côté organisation, il n'y a pas seulement contenté d'en faire rapport sur cas d'homicide ou bien rapport sur question kidnapping, mais il faut qu'il y ait l'heure, nous faire des rapports sur investisseurs qui rentrent dans le pays, hein, nous faire rapport sur quantité de business qui créent, nous faire rapport sur quantité de l'hôpital qui créent. Donc on gourmet pour que gagnons l'heure, organisation de droits humains, pas faire rapport sur problème, mais pour faire rapport sur progrès. On tape côté déclaration Camille Oxyuis. On a toujours été dans le dossier insécurité dans le journal. Côté gagné Renault Israël qui s'est chauffé en Tibis, qui mourit hier matin en Babala dans la zone Chamboin et qui est collé avec village des Antilles dans Croix des Bouquets. Il prend une balle dans la tête et puis machine en chaviré. Incident ça, une dame qui était un seul passager qui était dans Tibis, sa patte arrivée et touchée en Babala. Il était tiré sur machine, mais il était blessé dans un accident et dans accident les machines en chaviria, machine a porté marchandises pour entrer dans la capitale là, sorti dans Belader. Il y a un co-directeur collectif défenseur plus Antonal Mortimer qui s'allie levé campé population contre action gang Axamio. Cependant, il demande population pour faire pour être veillatif dans l'idée pour pas quitter mouvement ça à tomber dans règlement de compte. Défenseur doit mon encourager toute autorité dans l'État pour prendre bonne disposition pour rétablir l'ordre, la paix, sécurité en d'un pays à Antonal Mortimer. Dans notre ça, nous faisons appel à l'autorité en place pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays pour capable camper sous vengeance populaire qui prend le pays. Mais il faut nous dire et à prime abord que nous-mêmes au niveau défenseur plus, nous saluons les campés qui gagnent dans la population pour défendre le droit. Il y a gain pour gain la vie qui sont droits inaliénables, ça veut dire un droit ou pas qu'à retirer la donne. Vigilance citoyen dans zone Port-au-Prince là, particulièrement zone Kafoufé, BBC, Paco, Canapé, sont bagaille qui remarquable pendant pas accompagner la police pour capable combattre tout criminel ou bien tout présumé criminel qui a envahi. Et mouvement ça li pas seulement un mouvement pour qui est spontané, mais son mouvement qui dit bouqué avec question territoire perdu, même gouvernement à Paléa. Nous ne savons pas les hommes la cadre perdu. Nous croyons l'important pour nous rappeler depuis des années qu'on montait des criminalités, des violences dans le pays. Il y a ciblé policiers, policiers en uniforme, des cas de kidnapping, contravention, des cas d'assassinat prémédité sous des citoyens politiques ou bien des paisibles citoyens. Et en plus, un paquet de massacres qui fait dans le pays, et si une cité, tant que Dieg, tant que Meyot, Fojac, Malik, si une cité, Cité Soleil, Sous-Matla, plusieurs de l'autre côté dans la Tibonite, et à côté des Tirivières, à côté des Cafoupères, il y a plusieurs foyers de tension. Et parmi eux, il y a des policiers qui sont victimes. Au tap côté déclaration, Antonal Mortimer, collectif ancien député opposition à Kaliyo, yon autre fois encore exprimé à mercredi, gros caisse au Théogène devant dégradation situation sécurité pays, dans un autre cadre de l'Ak, face façon population levé camper dans capitale la Sitou pour et camper contre action gangio avec dans l'autre ville provinciale. Et levé camper population, ses résultats et Zak et criminel. Bandi yo toujours fait qui empêche yo sorti dans la rue à des affaires depuis quelque temps d'après ancien député Mibalea Abel Décolline qui se porte-parole Kadouan qui était dans micro Marie Guilaine c'était même assez juste. Kadouan extrêmement préoccupé sous développement situation sécurité dans le pays d'Haïti et c'est dans ce sens ça Kadouan à travers yon note pour la presse li prend note de mouvement Bois-Calais, population lancée dans diverses zones à travers pays, notamment à travers zone métropolitaine Port-au-Prince. Kadouan, ouais, ça qu'a privé journée aujourd'hui là à travers mouvement Bois-Calais que peuple haïtien l'a lancé pour combattre
bandits, pour combattre gangs, cap tout pisil depuis quelque temps. C'est résultat toute une série de provocations. Provocations qui, la cause, peuple haïtien, pas capable, si qu'il est libre et libé, nous dit, à cause vengeance, à cause violence, à cause exaction, gang ak bandi armé. Mais tout, dans notre sens, Kadoua profiter, exhorter toute une série de acteurs, toute une série de secteurs dans le pays, secteurs qui sous pouvoir, moun qui dit, yo c'est autorité, qui gagne une gouvernance paysan, mais tout secteur qui réclame yo de secteur patronal, secteur privé, nous exhorter yo pour nous dire, faut yo suspend yon série provocation. Parce que, ouais, nan niveau Kadoua, à côté violence gang yo, à côté question kidnapping, qui c'est une provocation et qui fait peuple là lever campé, nous quoi tout ça qui gagnait depuis quelque temps pour moun voyen dollar dans la banque, lors même que famille voyait dollar pour yo, c'est en forme de provocation. Nous quoi tout dans niveau Kadoua, péripétie misérere peuple pour arriver joindre gaz dans pompe, lors même que gouvernement te prend décision pour augmenter prix gaz là, peuple continue à galérer, nous quoi c'est en forme de provocation. L'homme même, peuple a passé plusieurs semaines, plusieurs mois, sans pas joindre courant la Kaili, alors que la pluie a tombé, alors que bon compagnie crée les EDH, alors que l'État dit qu'il y a un contrat avec plusieurs compagnies privées pour bailler courant, nous croyons que c'est en forme de provocation. Et c'est dans ce sens ça qu'Adoua dit, il exhorte tout secteur ça yo pour yo comporter yo yon l'autre façon devant revendication peuple haïtien pour empêcher mouvement ça li pas déborder. Situation socio-économique pays a kap vin pi mal a pi neg exam qui prend en otage plusieurs quartiers dans capitale ak l'autre région pays a c'est résultat mauvais façon équipe sous pouvoir a pas diriger pays a d'après ancien premier ministre Claude Joseph qui réaffirmé ce seul monde qui soutient l'élection qui gagne vision qui est capable remettre pays a sous rail pendant le mandat pour gagner yon autre gouvernement qui cap gagne principale mission organiser élection dans pays a. Claude Joseph, c'est l'amico David Lechard. Dans le moment ça, le pays a traversé une crise multidimensionnelle. C'est une crise politique, sociale et économique. Politiquement, le pays a sans gouvernail. Nous face à un gouvernement décrié, illégitime, impopulaire. Après presque 10 années sous pouvoir, résultat, c'est zéro barré. Ariel Henry n'a pas manifesté aucune volonté pour jouer une solution à la crise gouvernance. Pendant plusieurs fois, il a décidé de passer en bas-pied quelques secteurs dans la vie nationale là qui t'ont montré bon genre volonté pour résoudre la crise là. J'en ai tout connaît. Ariel Henry, pas sincère. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à payer caille. Quant à pour Gaza qui c'est un produit transversal, peuple là pas qu'à jouer ça. Inflation atteint bas 50%. En 27 juillet 2021, peuple a été besoin de 90 gouttes pour jouer un dollar. Je dis à peuple a besoin de 168 gouttes pour un dollar. Difficulté économique, ça y est, c'est résultat de mauvaise gestion qui chita sur corruption. En pile, moun a quitté le pays à cause d'insécurité et kidnapping. Crise ça a eu un impact sur la vie femme, actifie en particulier. Il y a aussi toute forme de violence, violence physique, verbale et sexuelle. Face à la situation malouque, ça, peuple haïtien réagit. Il déclare coucou rouge contre insécurité et kidnapping. Et de quoi? Choix souverain, peuple a fait pour assurer directement sécurité dans plusieurs quartiers, c'est une humiliation nationale. Avec un autre échec pour Ariel Henry qui n'a pas aucune légitimité et compétence pour continuer à mener le pays. Dans ce sens, aider à inviter le peuple pour continuer à faire coucou rouge des bandits dans tout quartier. Aider à inviter le peuple là tout pour remettre par la police toutes âmes avec l'autre matériel que vous avez saisi dans mes atouts faire. Et dire quoi? C'est bon gens politique publique cap Eden attaquer toute qualité racine qui la cause crise insécurité historique ça. Haïti besoin bon gens politique public qui pour couper la misère, pauvreté et chômage. On t'a côté ancien premier ministre Claude Joseph Groussama qui dit c'est un groupe signataire comme Montana.